Au cœur de l'histoire. Et c'est un des Français les plus célèbres de l'histoire que Franck Ferrand nous invite à redécouvrir cet après-midi sur Europa. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Voilà un homme au destin exceptionnel. Et dont, euh, en plus de 1000 émissions maintenant, il faut bien le dire, je ne vous avais encore jamais parlé. C'est étonnant cette histoire. Étonnant, c'est vrai. Orphelin, milliardaire à 14 ans, marié à 17 avec la femme de sa vie, officier général à 19 ans, Gilbert Motier aura défendu tous les peuples opprimés, promu le suffrage universel avant tout le monde, traversé trois révolutions, connu quatre rois, un empereur, deux républiques. Et tout ça aurait déjà suffi à faire de lui un très grand personnage. Sauf que Gilbert Mottier est allé encore plus loin. Il a traversé l'Atlantique de son propre chef pour voler au secours des Américains insurgés contre la métropole britannique. Oui, et c'est ce qui a imposé cet ami de George Washington comme héros des deux mondes. Parce que, quand même, Julia, Faut ce qu'on devrait <laughs> peut-être préciser un de ces jours, ouais. c'est que ce Gilbert Mottier portait un titre sous lequel on le connaît beaucoup, beaucoup mieux. Il était aussi marquis de Lafayette. 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes à Metz, un beau soir orageux du mois d'août 1775, autant dire au tout début du règne du jeune roi Louis XVI. Le capitaine Gilbert Mottier de Lafayette n'a pas encore 18 ans. Il a été envoyé là par son beau-père, le puissant duc d'Ayen. Le duc d'Ayen était un des amis les plus proches du feu roi Louis XV, un des piliers de la cour de Versailles. Et donc, euh, Gilbert a été envoyé dans cette garnison lorraine en vue de parfaire sa formation militaire. Seulement, il faut bien le dire, euh, le jeune capitaine passe plus de temps dans ses livres que sur le champ de manœuvre. Il euh, faut dire aussi qu'il ne se passe pas grand-chose dans le calme évêché de Metz en cet été 1775. Et pourtant. Ce soir-là, nous sommes le 8 août exactement, une simple conversation va faire basculer la vie déjà très précoce et bien remplie du jeune Lafayette. Le gouverneur local, euh, les, quand je dis le gouverneur, c'est l'équivalent plus ou moins de notre préfet, a convié le marquis à se joindre à un grand souper. Souper qui est donné en l'honneur d'un voyageur de marque, le duc de Gloucester, personnage très important puisqu'il s'agit du propre frère du roi. De Angleterre. Vous imaginez si les autorités françaises ont mis les petits plats dans les grands en vue d'impressionner le plus possible le prince anglais et sa suite. Il faut dire quand même que la dernière guerre avec l'Angleterre s'est soldée 15 ans plus tôt par une défaite assez cuisante de la France. La flotte anglaise est peut-être la clé de la victoire britannique dans cette guerre de 7 ans mais en tout cas c'est une victoire qui pour nous est une humiliation. Une défaite scellée par le désastreux traité de Paris. Les Français n'ont de cesse depuis d'essayer de faire oublier cette humiliation. Or, voilà que pendant le festin, donc ce 8 août 1775, à Metz, pendant le festin, le duc de Gloucester très librement du reste, hein, c'est un personnage euh, tout à fait euh, ouvert d'esprit, se met à évoquer les difficultés éprouvées par la couronne britannique avec les colons révoltés d'Amérique du Nord. On les appelle ces colons des insurgents, les insurgents, ce sont les, les insurgés d'Amérique, on les appelle aussi les Bostoniens parce que leur révolte est partie de Boston. Le jeune capitaine de Lafayette dresse l'oreille, il pose des questions, euh, il se met à animer littéralement la conversation, et bientôt il a les larmes aux yeux, c'est plus fort que lui. Le combat pour la liberté de ces colons d'Amérique l'enthousiasme. Lafayette est galvanisé. Je le cite. Du premier moment où j'ai entendu prononcer le nom de l'Amérique, je l'ai aimé Dès l'instant où j'ai su qu'elle combattait pour la liberté, j'ai brûlé du désir de verser mon sang pour elle. Gilbert s'y voit déjà, il est jeune, il est plein d'énergie, il est doté d'une fortune colossale, qu'est-ce qui, dès lors, pourrait bien l'empêcher d'aller voir là-bas lui-même ce qui se passe de l'autre côté de l'océan Atlantique sur un de la symphonie en mineur d'Henri-Joseph Rigel-Franck. Alors notre Gilbert motier Julia, on est content de notre coup. Eh oui Notre marquis de Lafayette s'est donc fait le serment d'aller, sitôt qu'il le pourrait, se battre aux côtés des insurgents d'Amérique. Euh, il rentre bientôt à Paris pour assister au premier accouchement de sa femme. Euh, c'est un mariage arrangé qu'il a fait évidemment, vous imaginez bien, avec la fille du duc d'Ayen. Mais en même temps c'est un bon mariage, ce sera un couple très amoureux. La Fayette en profite pour rencontrer à Paris les commissaires des fameux Bostoniens. Il y a là Silas Dean d'abord et puis bien sûr Benjamin Franklin. Ils sont en France pour tenter d'obtenir le soutien de Louis XVI. Ce pas évident hein, quand vous êtes des colons insurgés contre la métropole anglaise. Il faut vraiment que les Français n'aiment pas beaucoup les, les Anglais pour s'intéresser à ces Américains. Or, les commissaires américains comprennent tout de suite que La Fayette, qui pour la circonstance s'est fait accompagner par un ami, le baron Calpe, qui lui connaît déjà, L'Amérique. Lafayette est loin d'être un simple aventurier. Il y en a beaucoup des gens qui à l'époque veulent voler au secours des colons d'Amérique, mais il y en a très peu dans la très très haute, dans la fine fleur de l'aristocratie. Lafayette, je vous le rappelle, est, a fait un héritage fabuleux. Il est richissime. C'est euh, dire si Dean, Franklin et les autres lui font bon accueil. C'est bien simple. Ils vont le nommer d'entrée de jeu officier général dans l'armée américaine. Dès lors, et le plus vite possible, et contre l'avis de son beau-père, évidemment, Gilbert décide de s'embarquer pour l'Amérique, c'est-à-dire qu'il arme à ses frais un navire, le Victoire, et qu'il va précipiter son départ au printemps 1777. Ce départ, il faut bien le dire, a tout du roman picaresque. Lafayette laisse quand même derrière lui une jeune épouse, certes amoureuse, nous l'avons vu, et conquise à la cause américaine, mais quand même, elle est de nouveau enceinte. Il n'a prévenu son beau-père de sa décision que par courrier, jeu mais pas téméraire quand même Lafayette et aussitôt le duc d'Aïen furieux à remué ciel et terre. Je vous ai dit qu'il était très bien placé à la cour, il est intervenu en très haut lieu pour qu'on empêche son gendre de quitter la France. Vous savez ces lettres de cachet dont on parlait il y a quelque temps qui permettaient au roi d'emprisonner les jeunes gens un peu trop dissipés dans les bonnes familles Eh bien là en l'occurrence le duc d'Aïen veut absolument obtenir une lettre de cachet contre son gendre pour le mettre au vert un certain temps. Il a l'intention en vérité de l'emmener avec lui en voyage en Italie le temps de lui faire passer l'envie d'aller se battre en Amérique gilbert va donc devoir jouer de ruse et rejoindre son navire en espagne afin de pouvoir enfin quitter l'ancien monde et se lancer à la conquête du nouveau après sept semaines d'une traversée assez éprouvante surtout pour les nerfs parce qu'il faut bien le dire on s'ennuie ferme à bord de la victoire le navire est enfin en vue des côtes américaines je cite gonzague saint brice qui danse avec son, son brio habituel et dans sa désormais celle biographie de Lafayette nous raconte l'arrivée de, de, du jeune marquis en terre insurgée. Sur l'ordre de Lafayette, une embarcation est mise à la mer, nous dit il. Le soir tombe, on distingue des maisons déjà éclairées dans le lointain, d'étranges installations apparaissent à la surface de l'eau. Pourquoi ce quadrillage de bassins serait on en présence de pièges? Un des marins qui manœuvre la chaloupe rassure les passagers. Le hasard ou la providence les a guidés vers un parc à huîtres. Malgré la brume vespérale qui s'apesantit, des formes humaines deviennent visibles. Ces ombres passent et repassent parmi les blocs d'huîtres agglutinés. Soudain, elles aperçoivent l'embarcation. S'immobilisent. Les rameurs accélèrent la cadence. Les hommes du parc à huîtres sont maintenant à portée de voix. Le baron Kalb lance en anglais la question :« Où sommes-nous » En guise de réponse. Ces travailleurs de la mer à la peau très sombre, vêtus seulement d'une culotte courte, s'enfuient vers la terre la terre ferme. Kalp, qui connaît le pays, et Lafayette, qui a beaucoup appris à son sujet, les ont identifiés. Ce sont des esclaves noirs affectés à ce parc. L'arrivée d'étrangers les a effrayés, et ces étrangers venus de France sauront bientôt qu'ils ont d'abord été soupçonnés d'être des espions anglais en mission sur la côte sud. Ainsi, les premiers êtres humains rencontrés en Amérique au moment de poser le pied sur le sol sont des esclaves étrange entrée en contact avec le nouveau monde. Quelques années plus tard, Chateaubriand, nous dit Gonzague Saint Brice, débarquant aux États Unis, fera la même expérience. La première créature qu'il découvrira sera une jeune négresse presque nue d'une beauté singulière, ce sont les termes mêmes de Chateaubriand. Et il s'exclamera dans ses mémoires, comme Lafayette aurait pu le faire, à un détail près, ce fut une esclave qui me reçut sur la terre de la liberté. Franck Ferrand, sur au cœur de l'histoire. Et avec Franck, aujourd'hui, sur Europa, nous embarquons pour l'Amérique aux côtés de Lafayette. Lafayette est donc euh, arrivé, il a débarqué le 13 juin 1777. Il arrive à Georgetown, en Caroline du Sud. Euh, on, on sait hein, qu'en mettant le pied sur le sol américain, il leur ait fait prêter à ses compagnons le serment de vaincre ou de périr avec cette jeune république américaine. Qu'il l'enthousiasme précisément par sa nouveauté et par son côté peut-être un peu égalitaire. Tous ces gens-là, va noter Lafayette, et Tocqueville fera bientôt la même observation, ont l'air d'être frères. Et je cite Lafayette, « L'homme le plus riche et le plus pauvre sont de niveau. Tous les citoyens ont un bien honnête et tous les mêmes droits que les propriétaires les plus puissants du pays. » Évidemment, ça... Quand on connaît l'état de la France sous Louis XVI, c'est très différent. Je ne dis pas que la France de Louis XVI n'est pas un pays agréable à vivre, mais c'est un pays de très grande inégalité, avec des hiérarchies extrêmement marquées. Là-bas, aux États-Unis, on a l'impression que tous les citoyens sont égaux. C'est plus qu'une impression, ça a même l'air d'être une réalité. Alors notre Gilbert Motier reprend un vaisseau français pour se rendre à Charleston, puis à, Philade à Philadelphie. Et euh, il se rend compte à ce moment-là que le pays n'est pas du tout à la même échelle que ce qu'on a l'habitude de voir en Europe. Là, tout est immense, c'est une nature luxuriante, gigantesque, les plantes elles-mêmes ont l'air immense, les forêts euh, sont à perte de vue, les fleuves ont l'air de véritables lacs, tout ça est assez extraordinaire, on parlait de Chateaubriand il y a un instant, euh, Dieu sait que toute une génération française va être marquée hein, par cette redécouverte de l'Amérique du Nord quelques jours plus tard, il est quand même présenté notre Lafayette à Washington, donc George Washington avec qui il va entretenir de bonnes relations. Cependant, on possède un document qui émane de Lafayette lui-même mais qui n'est connu seulement qu'à partir de 1825 et qui nous montre que après avoir été déçu par la première réception du Congrès parce qu'il faut dire qu'au Congrès, Lafayette a été reçu un peu de loin, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, on a fini par l'admettre tout de même comme major servant assez frais dans l'armée américaine, mais il faut bien dire que l'essentiel des congressmen ce sont montré sceptique, à cause, il faut dire, de toutes les recrues qui, avant Lafayette, avaient été euh, débarquées d'Europe et qui s'étaient souvent révélées euh, de mauvais sujets et, et décevantes. Et donc Lafayette est déjà un peu vexé par l'accueil euh, mitigé que lui a réservé le Congrès, et il constate que Washington ne le reçoit pas beaucoup mieux. Il parlera, je cite, de la raideur du général en chef qui m'accueillit avec une correction hautaine. Bon. Il n'empêche, cette fois ça y est, Lafayette va pouvoir participer immédiatement aux opérations de guerre dès l'été des opérations qu'il faut bien le dire vont se révéler désastreuses euh, lors de la bataille de Brandywine notamment qui est une bataille purement défensive il faut bien se mettre à la place de ces colons qui euh, sont face aux armées régulières britanniques qui elles sont habituées non seulement à se battre mais à vaincre euh, au moment de cette première bataille Lafayette c'est pas la première à laquelle il participe du reste mais au moment de Brandywine il est blessé il reçoit une balle dans la dans la jambe et on le transfère à Philadelphie et quand Philadelphie est perdue et qu'une partie de la population doit gagner les montagnes, eh bien on emmène Lafayette à Bristol pour le mettre à l'abri. Il faut imaginer que simultanément c'est une guerre civile qui éclate sur le sol de ce qui bientôt va devenir les États-Unis d'Amérique. Une guerre civile entre ceux qui, parmi les colons américains eux-mêmes, sont favorables aux Britanniques, on les appelle les Tories, et puis les insurgés, qu'on appelle donc les Whigs, les libéraux si vous voulez. Or, cette guerre civile, je crois, c'est un des aspects qu'on aborde le moins lorsqu'on parle de la guerre d'indépendance américaine et c'est essentiel. que Le de leur côté, du reste, les Anglais eux-mêmes emploient des Allemands mercenaires, des Allemands qui, si j'écoute euh, ce qu'en dit Lafayette, ne savent que tuer, piller et brûler les maisons. Il est, euh, j'ai envie de dire qu'il a euh, pour euh, pour ces insurgents américains, les yeux de Roderick pour Chimène, notre Lafayette, il ne voit que par la jeune république et la blessure qui le pousse à cette inaction forcée, alors même que la guerre continue, est pour lui un véritable crève-coeur. Quand je dis que la guerre continue, euh, elle s'intensifie. Le 4 octobre 1777, Washington attaque les Anglais qui se sont euh, euh, mis en ligne, hein, qui se sont retranchés autour de Philadelphie. Il va y avoir là de gr grosses perte des deux côtés en tout cas si l'on compare ces pertes aux effectifs engagés et l'on peut dire que décidément pour les insurgés américains les choses sont en train de mal tourner euh, les américains sont peut-être en train à ce moment- là de perdre face aux anglais qui bien entendu redressent la tête et avec cette espèce de fierté indomptable sont en train pour l'instant de donner une correction à leurs colons insurgés. Grenadier sur Européen, c'est la marche des unités de grenadiers de l'armée britannique, Franck. Et nous retrouvons Gonzague Saint-Brice. Bonjour Gonzague, Bonjour. grand habitué de cette émission. Euh, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était au Château d'Amboise. Là, on est dans notre studio Coluche à Européen, dans notre décor habituel, si je puis dire. Merci Gonzague d'être des nôtres. Vous avez donc signé cette biographie très célèbre, Lafayette, dont on a beaucoup parlé, dont des personnalités très très importantes ont fait leur livre de chevet. C'est un petit clin d'œil que je vous ah oui. adresse. <laughs> Ce livre sur Lafayette a eu beaucoup de succès et euh, on est donc à un moment, on a pu croire à un moment que les Anglais allaient l'emporter. Euh, L'armée anglaise du général Burgoyne va finalement capituler devant les insurgés. C'est la première fois. C'est à Saratoga et c'est seulement le 17 octobre 1777. Et ça, cette victoire des insurgés, là, ça change tout d'un seul coup. C'est un retournement de situation. Lafayette, il faut dire, euh, avait juste eu Temps de rejoindre le quartier général à ce moment-là. Il n'avait pas attendu que sa, sa blessure ait fini de cicatriser. Hein. Il avait rejoint les insurgés à temps pour profiter de cette victoire qui renverse l'opinion non seulement sur le continent américain et en Angleterre, mais dans toute l'Europe. J'ai envie de dire dans le monde entier. En France, Vergen va profiter de cette victoire, euh, première victoire de Washington et de ses troupes pour faire accepter par le roi Louis XVI l'intervention militaire de la France aux côtés des tous jeunes États-Unis de cette nouvelle République. Et la France va s'engager officiellement dans la guerre. Le 6 février 1778, à l'hôtel de Coalin, donc sur notre actuelle place de la Concorde, est signé un premier traité d'alliance. Euh, alors, du côté français, c'est Conrad-Alexandre Gérard qui va signer, mais côté américain, il y a Franklin, Silas Dean, il y a Arthur Lee, bien entendu. Et ces traités prévoient un soutien militaire ainsi qu'une paix éternelle entre les deux pays. Euh, on n'a jamais euh, il n'y euh, a jamais eu de coup de canif à ce contrat-là. Et puis, euh, et ça c'est le couronnement de tout le travail diplomatique de Benjamin Franklin, euh, ce traité est notifié à l'Angleterre un mois plus tard, et il va faire vraiment l'effet d'une bombe. C'est un retournement des forces, Saint-Brice. Tout à fait. Et vous avez tout à fait raison d'évoquer cet hiver meurtrier. Où on croit que tout est perdu pour les insurgents. Je me souviens de ce que m'en avait dit Ronald Reagan dans le salon vert de John Adams. C'est ça que je faisais allusion tout à l'heure. Parce qu'il était passionné par cette histoire de Lafayette et il raconte que les soldats marchaient avec les pieds ensanglantés dans la neige. Donc c'était vraiment le désespoir total. Et tout d'un coup, le mouvement de la France et aussi, il faut dire, la vérité, la décision d'un grand roi qui est mort. Il y a quelques jo oui, jours... Oui, on a et... fait l'émission, nous, exprès. Ouais. Et alors là, nous avons euh, cet euh, entrain. Et aussi, il faut dire que tout ça a un peu été préparé. Parce que Benjamin Franklin est sur les collines de Chaillot. Euh, il reçoit, il est franc-maçon, il reçoit le jeune Lafayette, qui lui-même est franc-maçon. Qui a été euh, initié à la loge euh, de la Parfaite Alliance. Et euh, aussi, quand... Euh, comme vous l'avez très bien dit, quand Lafayette se gringalait, arrive à l'auberge à Philadelphie, la ville Philadelphie, ça veut dire amour fraternel. Il arrive pour dîner avec Washington. Il y a les officiers qui sont là. Il y a des, il y a de la, il y a des très bonnes viandes, de la volaille. Il y a une confiture à la myrtille qui est irrésistible. Et à un moment, euh, Washington et Lafayette se trouvent face à face et ils se reconnaissent comme frères maçons. Et. Euh, donc il euh, y a cette filiation très importante. Et en fait, euh, Washington va vraiment mettre ce jeune aristocrate français à l'épreuve. Il lui donne la pire des légions avec les voyous et tout ça. Et il voit que le mec tient le coup, il est formidable. Qu'il est donc un bon élément. Euh, ça change par rapport à tout ce à quoi il a été habitué. Oui, parce il faut que dire que les que... gens ont l'habitude, parce qu'ils arrivent chez des... Un hein, sergent américain, de demander de l'argent. Ils disent Moi, je suis colonel chez les Prussiens, donnez-moi de l'argent. Il faut dire que dans la foulée du traité euh, qui a été passé euh, avec euh, la France, une flotte va quitter Toulon et euh, elle emporte le premier ambassadeur français aux États-Unis, Graham, et surtout, elle est commandée par l'amiral Destin, qui va jouer enfin euh, qui aimerait bien jouer un rôle important, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la France est officiellement engagée aux côtés des colons insurgés des États-Unis contre l'Angleterre. Euh, Lafayette n'avait pas attendu cette décision officielle il était là, lui, avant, et c'est ce pourquoi évidemment les américains aujourd'hui lui savent un gré infini. Europain, c'est avec Franck Ferrand. Nous vous retrouvons Franck avec votre invité bien connu des auditeurs de 1. il s'agit de Gonzague saint brice nous nous intéressons aujourd'hui au Marquis de Lafayette. Je souhaitais rappeler qu'évidemment si vous avez des questions, si vous souhaitez témoigner, vous pouvez le faire sur europain.fr également sur la page FB Franck. Et c'est Jean-Louis qui nous signale par Internet qu'une magnifique statue de Lafayette en bronze de 5 mètres de haut, qui est l'œuvre d'un sculpteur Lorrain, un grand prix de Rome, il s'appelait Claude de Goutin, a été érigée en 2004 donc au, sur le square Bouffler à Metz. Et cette statue porte justement comme épitaphe la fameuse phrase du premier moment où j'ai entendu le nom de l'Amérique, etc. etc. En faisant allusion au dîner de Metz. C'est ça, c'est bien de là que tout est, que tout est parti. Euh, alors, Lafayette, ça, ça m'amuse parce que tout en, tout en vous disant ça, je prends connaissance des messages qui arrivent. et on, on pose toutes sortes de questions, ce qui prouve que le personnage reste très vivant et, et très présent. Lafayette va venir en mission, ça il ne faut pas oublier ça. On l'envoie comme ambassadeur, c'est-à-dire que Washington va se servir des relations extraordinaires il peut, dont il peut disposer, dont le jeune marquis peut disposer à la cour de Versailles pour essayer d'influencer un peu plus Louis XVI en faveur des Américains. Et Lafayette suggère. Carrément l'envoi d'un corps expéditionnaire, et bien sûr, il se dit qu'on va lui donner le commandement de ce corps expéditionnaire. Eh bien, non, Louis XVI trouve quand même qu'il est un peu jeune, un peu inexpérimenté, ce gamin-là, pour qu'on lui confie une armée. Et donc, euh, on va confier euh, cette armée à un ancien soldat de la guerre de 7 ans, Donatien de Wimmer, qui est comte de Rochambeau. C'est donc euh, Rochambeau, l'autre grand nom du soutien français aux Américains, qui va partir et quitter Brest avec un corps expéditionnaire le 2 mai 1780. Il faut dire qu'à ce moment-là, euh, Lafayette il est déjà reparti. Euh, il est reparti à bord d'un navire euh, qui s'appelle l'Hermione et qui est actuellement en cours de... Enfin, qu'on est en train de reconstituer hein, à, à Rochefort. La Fayette euh, est donc euh, en mesure de retrouver Washington très tôt. Hein, dès le 10 mai 1780, il se trouve au camp de Morristown. Alors, le corps expéditionnaire français va débarquer sans difficulté à, à Newport. Il faut dire qu'à ce moment-là, les Anglais viennent d'évacuer Newport. Mais ce corps expéditionnaire, euh, dans un premier temps, il reste un peu inactif et il va revenir à la Fayette le mérite d'organiser tôt une rencontre entre Rochambeau et Washington. Rencontre qui a lieu le 20 septembre 1780 à Hertford. Et là, les deux hommes euh, s'accordent sur le fait que les effectifs sont trop faibles et que la première chose à faire, c'est de réclamer de nouveaux renforts à la France. Or, c'est l'époque où un nouveau ministre de la Marine, le maréchal de Castres, euh, vient d'entrer en fonction. Euh, Castres est en fonction. Depuis le 16 octobre 1780. Lui, il est persuadé que la partie peut être gagnée militairement. Alors, évidemment, il en parle à ses collègues ministres, il en parle à Vergennes, à Maurepas, qui a l'oreille du roi, comme on dit, et auquel Louis XVI fait une très grande confiance. On lui répond tout de même que le risque est gros, mais s'il en assume la responsabilité, après tout, pourquoi pas. Et puis, si jamais il échoue, eh bien, les autres seront là toujours pour assurer la médiation. Voilà donc comment Castres va s'y prendre pour euh, augmenter fortement les effectifs français stationnés en Amérique, pour renforcer l'escadre de Newport afin qu'elle puisse manœuvrer en dépit de la présence sur place d'escadres anglaises impressionnantes, et aussi pour donner à cette flotte des Antilles des instructions suffisamment élastiques pour que le commandant reste quand même libre d'appuyer les forces franco-américaines au moment qu'il jugera le plus utile ou le plus euh, opportun. Castre envoie donc ses renforts aux États-Unis. Il élimine l'amiral Destin, dans le moins qu'on puisse dire qu'il n'a pas fait de grand, qu'il ne s'est pas rendu très utile jusque là en Amérique. Et il fait nommer l'amiral de Grasse au commandement de l'escale des Antilles. Vergène convainc une nouvelle fois Louis XVI d'expédier ses renforts, mais Castres va parvenir à faire admettre ses plans de manœuvre. Il envoie à Rochambeau cette lettre désormais célèbre et qui contient tout le secret de la victoire finale. Je cite M. de Castres. Monsieur de Gastre vous préviendra de l'époque à laquelle il passera dans vos mers. Il vous conduit vingt vaisseaux. Il en trouvera aux îles. Vous en avez huit de plus à lui donner. Ainsi, maître de ses mouvements, de réunir ou de séparer ses forces, j'espère que pendant un temps assez considérable, il sera maître des côtes de l'Amérique et de concourir avec vous, si vous voulez former quelque grande entreprise dans le Nord. C'est peut-être le secret, ça, effectivement, cette marge de manœuvre et ces moyens enfin offerts à ceux qui sur place peuvent aider les insurgés on devrait dire maintenant les nouveaux euh, Américains, les, les, les citoyens américains, c'est peut-être le secret de, du renversement de situation et de la victoire finale à laquelle on va pouvoir euh, aboutir. Euh, Lafayette combat pendant trois mois en Virginie, c'est là que l'a envoyé Washington, ce que vous nous disiez, Gonzague, ça n'était pas un commandement euh, très facile. Rochambeau, de son côté, parvient à se saisir d'une lettre qui comporte tous les plans de l'état-major anglais, ça c'est très pratique. Euh, et comme il est placé sous les ordres de Washington, il lui en fait part. Et c'est grâce à ça que tous les deux vont organiser la plus grande opération de logistique de l'époque, qui va permettre la fameuse prise de Yorktown. C'est pas ce qui met fin à la guerre, parce que George III va s'obstiner contre toute logique à continuer cette guerre, mais pour l'opinion générale, les États-Unis à ce moment-là ont d'ores et déjà conquis leur indépendance. Le renfort sur mer de toute la flotte française avec l'arrivée de New porte de l'escadre Barras de Saint-Laurent, qui compte 36 vaisseaux, va aboutir bientôt à une reddition inévitable des Anglais, à leur capitulation le 19 octobre 1781. Et la conclusion de tout ça, ce sera le 3 septembre 1783, le célèbre traité de Versailles, alors pas celui de 1919, à ne pas confondre, le premier, le premier traité de Versailles qui reconnaît l'indépendance des États-Unis en tant que nation. Vous allez me dire, mais dans tout ça que devient notre gilbert motier? c'est vrai que lafayette est passé un peu au second plan à partir du moment où les opérations militaires prennent d'une très grande ampleur. gonzague oui parce que ce sont des opérations sur terre et sur mer. mais ce qui a d'extraordinaire, euh, c'est les hasards de la, de, des ancêtres. Euh, donc washington a gagné. et on sait maintenant que washington descendait d'un français de l'île de ré. Et il y a aussi une très belle statue de George Washington euh, sur le port de l'île de Ré. Et ce qu'il y a d'extraordinaire encore, c'est que l'ancêtre américain de Washington était propriétaire du champ où a lieu plus tard la bataille de Yorktown. Il ouais, y a des, des ironies de l'histoire, en quelque sorte. Pas euh, Washington. Lafayette s'intéresse beaucoup aux institutions politiques de la toute jeune République américaine et déjà il faut bien le dire alors je sais que vous n'allez peut-être pas être d'accord mais déjà il rêve de faire un peu la même chose en France, il se dit qu'il pourrait peut-être un jour lui devenir le président de la République française. Je ferme vite cette parenthèse. Mais il s'intéresse aussi à la population de substrat, il s'intéresse même aux, aux Indiens, Lafayette. C'est magnifique. C'est d'ailleurs Washington qui l'envoie voir les Indiens, parce qu'il faut mettre les Indiens de son côté. Et les Indiens euh, se réunissent euh, autour des Iroquois, c'est la Ligue des Cinq Nations, c'est un grand rassemblement, et Lafayette arrive au milieu des plumes, au milieu des Indiens, et tout d'un coup, euh, il, a, il faut d'abord dire qu'il a été initié aux questions indiennes par le sénateur américain qui s'appelle Clinton, On voit un mmh. truc assez rigolo. Et quand Lafayette arrive parmi les Indiens, euh, il leur fait un magnifique discours en français. Alors il est très surpris parce que tout le monde applaudit. Mais surtout, l'un des Indiens, couvert de plumes, le visage euh, maquillé à mort, s'approche de lui et lui parle en français en disant :« Vraiment, vous avez bravo, vous avez très bien parlé. » euh, euh, Et il dit :« Moi, je m'appelle le Serpent Blanc. » Ah bon, dit Lafayette, mais comment ça se fait que vous parlez si bien le français Eh ben, il explique qu'il était un officier français de Louis XV, qui s'appelle Lafleur, qu'il a, qu a séduit cette population d'Indiens, qui ont fait de lui leur chef, et il baptise Lafayette d'un nouveau nom, Kaïevla, cavalier intrépide. au cœur de l'histoire, avec Franck Ferrand. sur européen de la bande originale du film de Roland Emmerich sorti en 2000, The Patriot, Frank. Décidément, les films de Roland Emmerich sont à la mode en ce moment. Alors, euh, on a bien vu que Lafayette avait joué un rôle au moins aussi symbolique que pratique dans cette guerre d'Amérique. Mais surtout, ce qui est incroyable, Gonzague Simbris, c'est que lorsqu'il revient en France, euh, il est une véritable si j'ose employer l'expression, une véritable star. Euh, tout le monde veut le voir, euh, on voit la reine Marie Antoinette au cours d'un bal à l'Hôtel de Ville euh, demander à, presque le privilège de ramener la marquise de Lafayette chez elle dans son propre carrosse. C'est l'homme à la mode, disons-le. C'est un grand communicateur, euh, c'est un héros des deux mondes, c'est un cohabitationniste avant la lettre. Tout ça très jeune, hein. il, a, il a à peine il est dans la vingtaine, quoi. Voilà. Il a, été, il a été le champion des droits de l'homme, il est le héros de la synthèse, il n'est ni de droite ni de gauche, ni extrême-gauchiste, ni conservateur borné, il est un libéral ouvert, il est un centriste dynamique, mais surtout, comme vous l'avez dit, c'est une star, c'est une vedette, euh, il apparaît sur son cheval blanc, et les foules l'adorent. Et là, on voit le secret de cette de sa personnalité, car il aurait pu saisir le pouvoir à plusieurs reprises. Il aurait pu devenir le premier président de la République, mais, oui, mais, mais il a sa, cette passion de la popularité qu'il définit dans ce mot merveilleux, euh, la délicieuse sensation du sourire de la multitude. Ce qu'il veut, c'est être le frère de tous les êtres. Et il est plus un idéaliste qu'un qu qu type de combinaison politique. Et en même temps, euh, il va jouer du fait même de cette personnalité, de cette popularité et de l'intelligence qui anime tout cela. Il va jouer un rôle relativement trouble dans la Révolution. Il fait partie, il faut dire, euh, dès 1787-88, il fait partie de cette haute aristocratie qui est favorable à la Révolution. Ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui. C'est-à-dire que à si la Révolution française a eu lieu et si euh, toutes les grandes réformes, euh, la nuit du 4 août, etc., euh, en 1789 et la Déclaration des droits de l'homme on, on, on finissent par aboutir, c'est parce qu'il y a de grands aristocrates qui sont les premiers défenseurs de ces idées-là. Et il en fait partie, la Fayette. Hein. Tout à fait. Alors là, c'est Très important ce que vous venez de dire, Franck Ferrand. Il faut savoir qu'il y a la belle révolution, celle qui dure dix ans, avant que ça ne dégénère dans le sang. Eh bien, qui a fait cette belle révolution Ce sont des jeunes aristocrates ouverts. C'est Lafayette qui a fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le vicomte de Noailles qui a fait l'abolition des privilèges. C'est La Rochefoucauld-Liancourt qui a fait le partage des terres. Et c'est Clermont-Tonnerre, qui a fait la protection des Juifs. Ouais, quand même étonnant, on peut hein, tout quand ça. même se dire que c'est assez extraordinaire. Ouais. Et Lafayette fait partie de ces gens-là. Alors, il devient très vite le patron, si j'ose employer l'expression, le commandant en chef de la garde nationale, c'est-à-dire euh, de, euh, de cette armée d'émanations bourgeoises euh, chargée de la protection de Paris notamment. Et à la tête de la garde nationale, il joue un rôle très important au moment des journées d'octobre 1789 et ensuite surtout dans l'organisation de tout ce qui tourne autour du Palais des Tuileries lorsque Louis XVI et Marie-Antoinette vont revenir euh, à... à à Paris, aux Tuileries. Or, au moment de ce qu'on appelle la fuite à Varennes, un peu hâtivement, euh, Lafayette se sent peut-être floué ou trahi par la, par la famille royale. Écoutez, là, il y a vraiment une incompréhension euh, qu'on peut aujourd'hui comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, cet homme est dans une voie nouvelle. Il, il est issu de cette fête de la Fédération où pendant 48 heures, les Français se sont aimés. La fête de la Fédération, c'est la fête du 14 juillet 1790, qui est l'apogée de la Première Révolution, en quelque Et sorte. Et il est persuadé que ce rêve américain qu'il a vu se réaliser, il peut le faire en France, alors qu'en fait, ce n'est pas possible. Alors, on, on dit c'est un faux cul, c'est un... Mais non, pas du tout. Alors... Ça, c'est pour devancer mes critiques. <laughs> ça, oui, bien compris. Mais par exemple, voyez-vous, euh, la famille royale. Alors a-t-il trahi la famille royale L'a-t-il protégé Le général Morphée, on l'appelait comme ça. Parce que le général Morphée, c'est parce que, au moment des journées d'octobre, c'est-à-dire quand les émeutiers parisiens viennent chercher à Versailles le roi, la reine et la famille royale, euh, au lieu d'être là euh, vaillant pour les protéger, eh bien, il est allé faire un somme de 4 heures, ce qui en même temps peut ah. se comprendre, hein, d'aller dormir pendant 4 heures pendant une nuit, sauf que c'est le moment où le palais a été envahi et donc on, il, il gardera pu... toute sa vie le surnom de général Morphée, celui alors, qui dort. Alors qu'il aurait pu se réveiller pour écouter Europa. Hein. <laughs> En fait, voyez-vous, là, euh, lui, il sait ce qu'il veut, il veut l'union, et les partis, après, vont, 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 vont l'attaquer de part et d'autre. Il va décevoir les progressistes, et il va décevoir les conservateurs. Il a quand même sauvé la reine, avec ce geste au balcon de Versailles, où il lui baise la main, et toutes les furies qui étaient dans le, euh, la cour de marbre s'inclinent devant ce geste. Mais, par exemple, la fille qui a survécu de Louis XVI, Madame Royale qu'est-ce qu'elle a dit Si nous avions écouté Monsieur de Lafayette, nous aurions eu la vie sauve. Alors Lafayette ne va pas rester très longtemps, c'est-à-dire qu'évidemment quand, 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 quand la révolution pardon, se met à dégénérer, euh, il prend l'arge lui bientôt, mais on le retrouvera constamment dans tous les soubresauts qui, pendant un bon demi-siècle, vont agiter le sommet du pouvoir en France. Euh, il est euh, toujours présent euh, dans les évolutions. Il va rencontrer Bonaparte, hein, il faut le dire. Qu quelle est son, quelle est son qu attitude vis-à-vis -vis de, de l'Empire et de, et de Alors, Napoléon Bonaparte ne l'aime pas parce qu'il sait que c'est un général. Et que c'est un concurrent potentiel. Et, et d'ailleurs, et Lafayette lui rendra la pareille en, en demandant absolument son abdication et en l'obtenant. Mais c'est vrai, vous avez raison, il continue. Parce que l'histoire de Lafayette, c'est 7 à 77 ans. Est il ça. est mort à 77 ans. C'est-à-dire que nous, nous avons vu là, à l'époque où il est encore très jeune, il a une vingtaine d'années, il, Etats... enfin, il est dans la création des États-Unis, il devient le héros de l'Amérique, etc., certes. Mais ensuite, il n'a va pas arrêter d'être très actif jusqu'à une mort tardive, puisqu'il meurt effectivement à 77 ans. Voilà. Et ça va lui permettre de connaître tous les régimes, notamment au moment de l'avènement de, de Louis-Philippe en 1830, il joue un rôle important. Oui, sur le balcon. Il va mettre le, balcon de le, de ville de Paris, hein. le drapeau bleu blanc rouge dans les bras de Louis-Philippe. Et euh, toujours son rôle... Euh, à la fois une précocité extraordinaire puisqu'il commence à 14 ans et euh, une réussite qui va se poursuivre dans les idées puisqu'il défend les protestants, les juifs en France. Il est le pionnier des droits de l'homme. Il est le prophète du suffrage universel. Oui, ça est important. Il est, est l'inventeur que... de la cocarde tricolore. Cet homme qui est né au sommet de la pyramide sociale, hein, vraiment, il est dans la haute aristocratie d'ancien anci... régime et il est à la tête d'une immense fortune. Il faut quand même savoir ce petit a détail qu'il a entièrement que je peux... donné cette fortune. Pour le, son combat pour l'Amérique, il a acheté son bateau tout. Au moment de son mariage, il a à peine 17 ans, euh, la, la dot de son, de son épouse s'élève à 400 000 livres, ce qui est une somme mais qu'on ne peut pas imaginer, ce sont des dizaines de millions de nos euros. Non si mais on attendez, dire. il y a Donc encore mieux Franck, oui, oui, c'est que son, son grand-père, le marquis de la rivière, un, un, grand, un ancêtre breton complètement perdu... A, a lui a légué une immense fortune aussi du côté oui, de donc ça. il est il est richissime. il est Et blindé il, ça, il va être le défenseur du suffrage universel c'est vrai que c'est assez euh, tout ça est assez euh, étonnant hein. il joue aussi un rôle avec l'Europe puisqu'il est le il est l'avocat des Polonais des Irlandais des Italiens à la recherche d'une nation il anticipe tous les combats de la liberté alors, plusieurs de nos auditeurs nous ont... Ça, ça fait beaucoup réagir. Hein. Lafayette, donc Karine nous dit qu'il existe en Haute-Loire, près du Puy-en-Velay, le château de Chavagnac, Lafayette, où est né donc le général Lafayette, et ça se visite avec des pièces magnifiques, des jardins classés, etc., nous dit-elle. Anne me reproche de n'avoir pas signalé au début de l'émission ce qui s'était passé avec la fameuse Boston Tea Party qui va donner le coup d'envoi de la fameuse guerre d'indépendance. J'avais fait exprès parce que je voulais pas entrer dans le <laughs> détail. Eh bien, nous y revoilà. Cette reprise de la Tea Party, c'est moi par les opposants à Barack Obama, nous dit-elle, euh, explique l'expression hein, de... Pourquoi est-ce qu'on parle de, 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 actuellement de la Tea Party Du parti qui prend ce nom-là. Est-ce que cette aventure américaine n'a pas été très coûteuse pour la France, demande Patrick C'est vrai qu'on a dit qu'une partie des causes de la Révolution française, ce serait le fait que le royaume se serait en partie ruiné dans cette guerre d'indépendance américaine qui était un moyen de venger l'humiliation de cette défaite face à l'Angleterre au moment de la guerre de 7 ans en 1763. Tout ça, ce sont des questions qui se posent évidemment et auxquelles vous répondez bien entendu, Gonzague, dans ce livre, dans cette biographie de la faillite. Qui a été publié chez Folio en poche, donc qui est très facile d'accès. Et puis, vous venez de publier, je voulais juste en dire un mot, euh, un livre sur Rosa Bonheur, Liberté et son nom. C'est une biographie de la grande peintre Rosa Bonheur. Ça, c'est publié chez Robert Laffont. Euh, ça me donne envie d'en reparler, ça, puisque vous êtes un habitué. Euh, on devrait en parler pour la, pour la journée de la femme, je me disais, puisque cette femme a été une des premières féministes et un des premiers grands artistes féminins de notre pays. Merci, Gonzague, d'avoir été des nôtres et j'ai donc envie de vous dire à la prochaine fois. Pas très bien, d'ici. Elena est en retard, Franck. Ah bon? Donc je vais donner son thème, on va faire comme ça. Elle consacre <laughs> une émission spéciale aux bénévolat. Alors, si vous souhaitez passer à l'action, donner du temps ou mettre vos compétences à disposition, vous ne savez pas vers qui vous tournez, eh les experts européens ont la réponse. Ce sera juste après le flash de 14h. Et si vous avez des questions, évidemment, c'est 1fr À demain! Et vous allez donc présenter l'émission, Exactement. <laughs> Écoutez, c'est une promotion pas voulue, mais je l'assume.